Il est des hommes qui sont seuls au monde. Il est des enfants qui ne savent plus sourire. Il est des personnes qui mangent de la terre et des ordures pour calmer leur faim. Il est des jeunes qui n'ont plus d'espoir. Il est des enfants de 10 ans à qui l'on confie des armes. Il est des artistes qui sombrent dans l'absurde. Il est des hommes que l'on torture. Il est des personnes qui perdent le sens et le goût de la vie. Or, chaque fois qu'un enfant est traité de la sorte, chaque fois que quelqu'un connaît de tels drames, voici que se forme sur notre terre un point noir, un point de honte pour l'humanité tout entière. Pour remédier à cette situation, 1000 œuvres ont vu le jour. Poincœur est cette 1001e œuvre qui tente de répondre aux cris des personnes les plus souffrantes. Fondée en 1990, Point Cœur est une œuvre de compassion, de consolation et de miséricorde en faveur de toute personne blessée. Disséminés dans le monde entier, les points cœur sont des maisons de quartier, de simples refuges où chaque enfant, chaque personne est accueillie, écoutée, respectée, bref, regardée d'un regard qui communique l'ardeur de l'amour. Les premiers points cœur sont fondés en Argentine et au Brésil. Au fil des années, les fondations se multiplient. Il y a aujourd'hui près de 40 maisons dans une vingtaine de pays, en Équateur et au Pérou, en France, en Suisse et en Italie, aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande, en Roumanie, en Ukraine et en Inde, aux États-Unis et au Sénégal, au Salvador, au Honduras et au Chili, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, au Japon, à Cuba, à l'ONU. Chaque maison est animée par 4 ou 5 jeunes. Ils sont près de 200 en mission, à venir des 4 coins du monde, appelés à donner au moins 1 an ou 2 de leur vie au service des personnes qu'ils rencontrent. À ce jour, plus de 1400 volontaires d'une 30aine de nationalités ont vécu cette expérience qui a transformé leur vie.
Les volontaires ne s'en vont pas pour créer un dispensaire, un orphelinat ou une école. Car si l'homme a besoin de pain, il a surtout besoin d'un cœur qui lui offre un refuge. La soif la plus profonde de l'homme n'est-elle pas celle d'une présence ? Présence paternelle et maternelle, présence du frère et de l'ami, présence d'amour, présence de Dieu, présence qui seule comble. Les volontaires sont soutenus par la prière et par les dons de parrains. Jusqu'à présent, plus de 100 000 personnes ont ainsi participé au travail de ces jeunes, formant ainsi une vaste famille de compassion. L'essentiel de la mission des volontaires consiste en la qualité de leur présence. Et celle-ci sera d'autant plus grande que sera grande la qualité de leur présence à Dieu. En ce sens, les volontaires sont d'abord des chercheurs de Dieu. Un point cœur est un lieu de prière, de rencontre quotidienne avec Dieu dans l'Eucharistie, l'adoration, le chant des psaumes, le chapelet. Rencontre qui se poursuit dans les rues du quartier. Dans toute la réalité qui les entoure, ces jeunes cherchent celui qui donne un sens à toute chose. Pour tous, la route est dure. Pour ceux qui sont seuls, elle est plus dure encore. Point cœur ne prétend pas être une solution aux problèmes graves de l'enfance, de la souffrance, de la désespérance. Point cœur n'est pas un remède, mais un signe, un petit signe d'espérance, un signe d'amour. Point cœur n'a pas d'autre ambition. Être ce sourire, cette goutte d'eau, cette main qui vient s'offrir un instant en chemin. Être cette présence qui permet d'aller jusqu'au bout de la vie.